days has left many residents in some of the pair. Why are you doing this? The pretties my little girl has given me! La 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 la, ça s'annonce saignant les gars, ça s'annonce saignant. Salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 7. Je parle bien évidemment de l'épisode 14, 15. Oh putain merde, et j'ai foiré la vanne. J'aurais tellement kiffé vous dire épisode 15. Mais non, on a déjà terminé le jeu. Non, on va attaquer donc les DLC, le contenu supplémentaire où on va retourner dans l'horreur avec des visions alternatives, des événements qu'on n'a pas vus, bien évidemment. Donc il y a déjà 4 DLC de disponibles et il y en aura bien d'autres par la suite. On a Cauchemar, survivait jusqu'à l'aube en fabriquant des armes et des pièges. Il a l'air assez hardcore celui-là. On a la chambre, utilisez votre intelligence pour sortir de la chambre. Nous avons 21. On sait pas encore trop ce que c'est. Ils sont disponibles, hein. J'ai juste à les télécharger. Et on a fille, d'accord. Donc fille, si c'est un DLC autour d'Evelyne, je me tire une balle. Clairement, je me tire une balle parce que Evelyne, je n'en peux plus de cette gamine. Bref, il y a aussi une version la fin alternative en sauvant bien évidemment Zoé et non Mia. Si vous voulez vraiment la voir et si vraiment il y a des changements, dites-le en commentaire et je vous ferai la fin alternative avec grand plaisir parce que ce jeu les amis, c'est de l'amour. Ce jeu, c'est vraiment de l'amour et je kiffe de ouf. Bref, alors pour commencer, j'ai le choix entre Cauchemar, donc survivez jusqu'à l'aube, et la chambre. Je vous cache pas que Cauchemar, là, tout de suite, je suis pas méga chaud, rien qu'à voir l'image. J'ai bien envie de commencer par la chambre. Utilisez votre intelligence, étant donné que je suis extrêmement intelligent, n'est-ce pas, pour sortir de la chambre. Et c'est Marguerite. Marguerite avec un petit plat dans les mains, parce que vous savez que Marguerite est une très grande cuisinière. Attention, elle nous a préparé du 10 sur 10 sur l'échelle d'incroyable dîner presque parfait, mais couilles au bord de l'eau. Donc on est parti, on fait la chambre. Et bon, bah, on va le faire en nouveau, parce que vous voyez, j'ai rien commencé, bien évidemment. Hop, cauchemar. Oh quoi? Jouer au mode histoire cauchemar depuis le début? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah non, mais cauchemar, on peut pas le faire au final, si? Ok, j'ai rien compris. On va faire la chambre. C'est parti. Je vous dirai pourquoi je marche parce que je n'ai rien compris. Du réveil. Clancy se réveille dans des draps couverts de moisissures, attaché au lit d'une chambre lugubre. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Cette femme l'a attrapé et elle est bien décidée à lui faire goûter au plat nauséabonde qu'elle a mijoté. Alors il faut savoir, donc, comme vous l'aurez compris, qu'on joue Clancy, c'est-à-dire un nouveau personnage. Ok, Clancy est donc un homme. Ah, Marguegueu! Ah là, elle est bien dormie, mon grand. La petite t'aime beaucoup, tu sais. Elle veut que tu sois son grand frère. Et je sais que tu meurs d'envie de la voir. Mais chaque chose en son temps. Si tu veux faire partie de la famille, tu dois manger comme la famille. Ça sent bon, n'est-ce pas? Oh. Allez, mange ça et tu pourras être l'un des nôtres. Je t'enlèverai ces trucs et tu pourras sortir jouer. Mais d'abord, tu dois tout manger. Ok, ça sent bon, n'est-ce pas? Ça a l'air délicieux, je touche pas à ça. Laissez-moi partir. Je lui dis que ça a l'air délicieux pour lui faire plaisir. Parce que là, les gars, elle a une haleine. Oh, cousin. Oh, Marguerite. Wow. Ah, t'as pas ça mangé que des fleurs, hein? Ça a l'air délicieux. Vraiment? Ça a l'air bon. Oh, tant mieux. Je reviendrai te voir dans un petit moment. Attendez, il n'y a rien d'autre à manger? Tu n'as besoin de rien d'autre. Alors bouffe ta putain d'assiette. Ok. Marguerite, faut pas la contredire, hein. Faut pas la contredire. D'accord, trouver un moyen de sortir donc de la chambre. Ok, donc tout va se passer dans cette chambre. Incroyable, on a une cuillère. Je dois faire quelque chose. Que je vais prendre volontiers. On a un plat. Je vais manger, voilà. Premier truc à faire pour se barrer d'une chambre, manger les mecs.
ça doit être dégueulasse. Bah ouais, c'est... Oh, mais pourquoi j'ai bouffé ça, les gars? Les gars, on en reprend une? On peut se tuer? On peut se tuer comme ça? Attendez, c'est énorme! Ça m'a blessé! Ah! Et venez, j'insiste. Venez, j'insiste. Allez, troisième, c'est toujours la bonne. Les gars, troisième, c'est la bonne. Et je tartine. Je tartine, les mecs. Ah putain, c'est dégueulasse. Ça me tire au cœur. Réellement, ça me tire au cœur. Alors, évidemment, on est mort. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On s'est échappé de la chambre, les gars. Bah oui, on est allé sous terre là, les gars. On s'est échappé, hein. You are dead. Non, bah les gars, je savais qu'on allait mourir, mais c'était pour essayer. C'était le petit côté un petit peu fun. En tout cas, très très bien foutu. Très très bien foutu. Une interaction totalement inutile, mais très sympa. On est donc reparti trouver un moyen de sortir de la chambre. Alors, évidemment, on va reprendre la cuillère. On va éviter de rebouffer. Hop. Je dois faire quelque chose. On va regarder la cuillère, peut-être. Attendez. Hop, ici c'est fermé. Ils ont tous des smartwatches, ce que je ne sais pas dire d'ailleurs apparemment, des smartwatches, voilà, je crois que c'est smartwatch, oui, smartwatch, bref, bon, ils ont tous des montres connectées, n'est-ce pas? Alors, on a une cage avec une clé dedans, très bien, on a une pièce, ah mais on est dans la chambre de Marguerite et Jack, d'accord, j'espère qu'il n'y a pas de trucs qui font flipper, oh putain, on peut se barrer par en dessous, ok... Ok, et par ici on a un code. On a un code, ok, donc on va prendre la lanterne déjà. Oh, j'ai l'impression d'être Marguerite, c'est terrible. On va prendre de la lanterne, on va tout fouiller bien évidemment. J'entends des traces de pas, mais c'est tellement terrible. La même heure que sur toutes les autres horloges. Ah mais c'est peut-être elle qui avait mis le papier sur une des horloges justement. C'est coincé, c'est peut-être cassé, mais c'est trop bien. Au début ça voulait pas et maintenant ça veut, ok. On a un briquet, c'est pas mal ça. Je sais pas qu'est-ce que je peux foutre avec un briquet sachant que j'ai une lanterne. Ok, là il y a tout un culte. Oh là, il y a un livre gros. Attention, c'est Charme. Vous savez la série avec les trois sorcières là. Les trois sorcières, c'est à peu près ça. Ok. Peut-être qu'en mettant le bout de la cuillère, non? Oh, j'aurais cru. On va regarder la cuillère parce que il y a l'air d'avoir un bout de scotch. Qu'est-ce que c'est? Une pomme. Ok, on a déjà une pomme. On a un indice. On va regarder le briquet. On va regarder le briquet. On a quoi? Ok, on n'a rien pour le moment. Ah, j'aime bien ce genre de petites énigmes reposantes. Ok, on a une pomme. On a un tableau sans titre B. Oh là! Oh là! Beaucoup de choses, là. Qu'est-ce que c'est? Ouah! Oh, c'est des araignées, sa mère! Putain, j'ai tellement peur! Vous êtes fous! Ok, on va regarder le tableau. On a une pomme, on a un tableau. Sur ce tableau, il y a des... sorte de corbeau qui bouge tout. Il y a des araignées, si je touche, c'est la mort du petit cheval. Hein. Non, 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 non. Oh, c'est dégueulasse. Je peux pas toucher à ça. Ah non, mais je déteste ça, mec. Il y a toujours cette horloge, il y a un mécanisme, il y a une sorte de trappe sous le lit. Ok. Et si je mets le feu à ça? Non. Bah, on sait jamais. Mettre le feu à la bouffe. Alors, comment on peut faire? Je me dis, si je prends la cuillère... Je mets de la bouffe et j'étale ça sur le corps des araignées, est-ce qu'elles vont kiffer? Je ne pense pas. On va essayer. Alors, déjà j'ai la pomme. Déjà pas mal. Ah, regardez. Il y a un bouchon. Le crochet de la lanterne est fixé au mur avec un morceau de liège. Il me faut un bouchon, très bien. Ok. Comment? Comme ça? Ah non, non. Si je mets le tableau, peut-être, non? J'essaye des trucs. On dirait une clé. D'accord, on dirait une clé. Bon, c'est pas terminé, hein. Il n'y a toujours pas la grand-mère. Oh! Tableau sans titre C. Ah, mais il faut les remettre à leur place. Ok. Oh, pardon, je suis vraiment désolé, les gars. Ah, mais les gars, les bougies, ça suffit pas, hein, pour faire de la chaleur. On va mettre ça. Et il me manque un petit tableau. Ok. Il manque un petit tableau, toujours. Il est vraiment, vraiment petit. Où il peut être? Un tout petit tableau. Est-ce que vous auriez vu, messieurs? Alors, attendez. Déjà, ici, c'était 10h15. Ah! Ok, aiguille cassée. D'accord. Fallait toucher ceci, très bien. On a une aiguille. Une aiguille pour crocheter, n'est-ce pas?
ok. Tout semble plus logique. Fallait essayer. Je me suis fait en fonction de l'aventure de l'histoire principale. Mais non, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Oh putain. On peut se coucher? C'était quoi ce bruit? Oh putain. Ok, on va attendre Marguerite. On va attendre Marguerite. Non, je peux pas. Il faut pas qu'il voit que j'ai quitté le lit. Ok. Non, je peux pas. Je peux pas attendre Marguerite. Ok, les gars, on va l'attendre. Une minute. Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je mange pour faire genre... Ok, les gars, faut que je réfléchisse vite fait. On a les tableaux. C'est quoi tout ce vacarme? On a l'enclenchement du mécanisme. On a toujours pas le tire-bouchon. Ok, elle arrive. Elle arrive même plutôt prévu, non? Elle est où? Oh, elle va débarquer comme un Power Ranger, personne sera prêt, on va commencer à parler espagnol. Ok. Marguegue? Hein? Attends un peu, mon garçon. Cette lanterne est à moi! À moi! Voilà ce que tu mérites! J'aurais dû le remettre dessus. Non, non, non! Je serai sage! Allez, va venir. Ah! Dégueulasse! Aïe, 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 on perd cette vraie cloche! C'est bon, Mario, j'ai mangé assez de. De tes insectes, je suis mort. Ok. Tu ferais mieux de te tenir tranquille maintenant! Ok, elle aime pas qu'on touche à sa lanterne, ça m'a un petit peu blessé. Très bien. J'aurais dû remettre la lanterne en place, putain. J'aurais dû remettre la lanterne en place. Merde, merde! Ah bah oui. C'est vissé fermement. Ok. C'est vissé fermement. Oh putain, les tableaux, tout a rebougé. C'est terrible! C'est terrible! Ok, on y retourne. Ah, pas con ça. Ok, on reprend la lanterne. Faut tout refaire. Enfin, faut tout refaire. Non, faut tout remettre en ordre. Putain, elle aime bien ses tableaux. Elle aime bien les... D'accord? Hein? T'as compris? Elle aime bien les remettre, n'est-ce pas? Et il y a un grand tableau qui est ici. Elle les a remis en place. Elle est pas con, la Margue. Ah, on lui fait pas à l'envers. Putain, il va y avoir un DLC pour chaque membre de la famille. Ça va être terrible. Ok, aiguille à coudre, c'est fait. Il saigne. J'ai l'aiguille. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une aiguille? On va tous les percer un par un, là, les araignées, mon pote. Ok, j'ai l'aiguille à coudre. Est-ce que... Ok, d'accord. Bon, j'ai l'aiguille. On va mater l'aiguille, d'ailleurs. Histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose de caché. Il n'y a rien à part du sang. Ok. Alors, est-ce que Marguerite peut venir aléatoirement? Ce serait un bon délire, ça, non? Ah, il faudrait remplacer l'aiguille manquante, forcément. Hop. Et c'était quelle heure? C'était 10h15, il me semble. C'était ça, non? C'était pas ça. C'était pas ça. Là, il me faut toujours une flamme un petit peu plus vive. Quelque chose en haut qu'on peut poser... Ah, il me faut ce tire-bouchon, putain. Ah, attendez, si on ouvre délicatement. C'est verrouillé de l'autre côté. Il doit y avoir un autre moyen de sortir d'ici. Et ben voilà. Ah, d'accord, cette fois-ci, il est 5h. Ok, on va tout refermer. On va tout refermer et remettre en place. Parce que sinon, elle va me tuer. Ça veut dire qu'elle va encore débarquer, là, comme un Starkey Gutch. Oh là, ça va être terrible. Ça va être terrible, les gars. Allez, on est parti, on met à 5h. Régler l'horloge, ouais, bah je peux pas aller plus vite. Ok, 4h et 5h. Merde. On a un mécanisme.
On a un mécanisme. Au commencement, l'homme venu de l'ouest fut plongé dans les ténèbres de la mort. Au cours de son périple, il offre sa chair en pâture aux quatre bêtes. Quoi ? C'est terrible ! Merde, merde ! C'est terrible ! J'ai pas le temps. Une minute. Faut refermer, attendre Marguerite, sortir du lit. Ah putain, les tableaux, elle va gueuler. Attendre Marguerite. Ah là là, les tableaux, elle va gueuler. Encore toi, Lucas ! Je t'ai déjà demandé de faire moins de bruit ! Merde ! 29 secondes, j'avais le temps. Ah putain ! Dur. Ok. Oh, là, je sais pas ce qu'elle va me reprocher. En tout cas, c'est tellement bien fait. J'ai reposé sa lanterne. J'y ai pas touché, les gars, vous l'avez vu. Ok, c'est parti, elle arrive. Odeur de paradis, n'est-ce pas? J'ai fait ça rien que pour toi. Ok. Hein? On a une fourchette cette fois-ci. Est-ce que quelqu'un est entré ici? Oh putain. Oh, il y a quelque chose qui cloche. Non, je vois pas. Ce tiroir ne s'est pas ouvert tout seul! Oh putain. Espèce de sale petit menteur! Oh putain. Allez, on est reparti! Ah, c'est dégueulasse. Ok, donc les tiroirs cette fois. Ok, donc les tiroirs cette fois. Bon bah je sais ce qu'elle me reproche. On est reparti. Me mets pas encore plus en colère. Ok. Ok, bon. On a gagné une fourchette, n'est-ce pas? On a gagné une fourchette. On a un réchaud, yes. Ok, serpent. Rappelez-moi ce réchaud, hein, c'est toujours cool. On va ouvrir. Ah. Oh, où est-ce qu'elle a appris à cuisiner? Critique pas, hey. C'est pas bien, tu sais que ça t'emmène... Ok. On se casse. Bon, bah forcément, on peut toujours pas l'ouvrir, c'est fermement vissé. On l'a compris. Allez. C'est vissé fermement. Ok, bon. On va le dévisser. On a le réchaud. On va pouvoir dégager les araignées. C'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre aussi? Eh ben, on va pouvoir récupérer le bouchon. On va pouvoir tirer ça. On va pouvoir ouvrir. Il me manque un signe. Regardez, bougez pas. Nous avons la pomme. Nous avons le serpent. Pomme-serpent. Et dans le tire-bouchon se cache quelque chose. On peut pas le faire dans le noir. Aïe, dur. Dur. On va récupérer encore la lanterne. On sait que c'est 5 heures aussi, donc c'est plutôt... Ah putain, mais elle remet vraiment les tableaux, hein. Ok. Utiliser un objet, le briquet. Impossible de l'allumer sans combustible. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme combustible? Ouais, on peut pas. Ok, je peux toujours pas l'allumer. Très bien. Il était où le combustible? Rappelez-moi, les mecs. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on connaît... Je suppose que c'est en ordre. Une pomme, un serpent. J'essaye tout, hein. Ok, et là? On peut pas le ramasser non plus. Putain, mais ça sert de combustible. Au commencement, ok. Il brûla une passion. Lorsqu'ils arrivaient en Orient, il brûla une passion ardente. Au cours de son périple... Alors là, il y a une énigme dedans. Au cours de son périple, il offrit sa chair en pâture aux quatre bêtes. À quatre bêtes, pardon. Lorsqu'il arrivera en Orient. Donc, offrir... Non, faut pas manger, hein. Non! Non! On est mort. Allez, on recommence.
Ah, le con! Le piège! Je me suis dit, ça peut peut-être servir de combustible! Ah, c'est terrible! Il est con, mais qu'il est con! Ah, il est pas aussi intelligent qu'Ethan, celui-là, hein. Ah, c'est sûr! Ah, c'est sûr! Ok, on va rester là-dessus. On a eu la pomme. On a eu le serpent. La lanterne. Quoi? J'ai pas compris. Ok, donc il y avait bien le serpent, il y avait bien la pomme. Mais j'ai pas compris là. J'aimerais bien comprendre. C'est bien de s'en sortir en vie, hein. Mais j'aimerais bien un peu comprendre. Attendez. Au commencement, l'homme venu de l'ouest fut plongé dans les ténèbres de la mort. Au cours de son périple, il offrit sa chair en pâture à 4 bêtes. Lorsqu'il arriva en Orient, il brûla d'une passion ardente. D'accord. Écoutez, je sais pas. Je sais pas, on a quasi essayé toutes les combinaisons possibles et inimaginables. Oh, c'est beau ça. Ok, donc on a notre célèbre clé là-dessous. On aura un objet, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a une nouvelle pièce. Oh. Je peux toujours pas le prendre ça. Attendez, et si on pose... Non, 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 on peut toujours pas prendre. Je vais devoir par je ne sais quel... Ah, du scotch. Le ruban est trop résistant pour l'enlever à la main. J'ai toujours pas de couteau. Bah alors, en gros, faut qu'elle m'apporte un couteau, si j'ai bien compris. Il y a un aspirateur. Ah, ils sont modernes ici, putain. Qu'est-ce qu'on a là? Méduse et le serpent. D'accord, donc ça n'a strictement... rien amené. On a toujours pas le combustible, d'accord, hein. Vous l'aurez compris, c'est incroyable. Ici, y a rien à ouvrir. Ok. Alors ça, c'est chiant. On a ouvert par le pur des hasards, mais on n'a pas le combustible. Ça m'a rien donné. Ah, ouais. Ok, yes. Impossible d'utiliser ça. Et la fourchette. Voilà. Impeccable. Ce qui nous donne nos combustibles. Très bien. Et on referme. Personne n'a rien vu. Et en plus, normalement... Ah non, je pensais avoir... Très bien, on a les combustibles. Bon, là, je vais manger, les gars. Je vais manger parce que... Il y a un truc qui a bougé. On peut pas refermer la porte, non? Ça se referme tout seul. Je vais manger, mais c'est pas grave. Utilise un objet combustible. Allez, frérot. Non, frérot, là, c'est chiant. Utilise un objet, quoi. Mais... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais gros! Prendre le réchaud. Là, ça me saoule. Très clairement. D'accord. Putain, les lourds. Tu peux pas mettre le combustible avant, c'est impossible. Tu ne sais pas pourquoi, il ne veut pas. Mec, il veut pas faire d'effort pour se barrer de cette chambre, déjà, de base, tu vois. Ah, non. Non. J'en ai ma claque. Je dois retourner au lit. Je suis mort. Putain, elle arrive. On est cuit. On est cuit parce que parce qu'il y a le tiroir cassé, les mecs, qui m'a niqué clairement. Aïe 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 aïe. Ok, c'est bon, on commence à avancer. Pas du tout. Mon garçon. Ce tiroir ne s'est pas ouvert tout seul. Bon, allez. Tu me déçois, Clancy. On va bouffer de l'insecte. Je suis sorti de ton lit, pas vrai, espèce de petit merdeux. Comment tu t'es détaché? Non, non, je te jure. Et je suis censé te croire? Je sais parfaitement quand quelqu'un touche à mes affaires, sans ma permission. Ok, on a Kuzuka? Oh putain.
Si j'accuse Lucas, elle va le croire, j'ai rien fait du tout. On va pas accuser Lucas. J'ai rien fait du tout. J'ai absolument pas bougé du lit. Menteur, 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 menteur! Tu sais ce qu'on fait aux menteurs dans cette maison? On leur met des lignes dans la gueule! Ok, j'aurais dû accuser Lucas. Mais peut-être qu'elle m'aurait tué direct. Ok, très sympa en tout cas. Il t'en reste un peu au fond de la gorge? Ouais. Encore de jouer les héros et je te brise la nuque. Ah bah ça Marguerite, tu sais que t'en es capable. D'accord, très bien. Bon bah elle est resserrée, donc on va devoir dévisser, forcément. Je dois sortir d'ici. Ok. Bon, on a le tire-bouchon. Merde. Par ce tire-bouchon, on va pouvoir retirer le liège. C'est plutôt une belle avancée. Ok, jusqu'ici, le seul truc que j'ai pas compris, c'est comment j'ai ouvert la porte. J'ai bien dû essayer quasi toutes les combinaisons, les mecs, hein, réellement. Hein. Ok. Ah bah tiens, attends. Ça, je pense qu'il faut pas y toucher à celui-là. Faut plus toucher à celui-là. Mais alors, il y a un truc que je piche pas, c'est déjà que le tire-bouchon, il tire-bouchonne. D'accord, je vais peut-être avoir besoin des deux, non? Le ruban est trop résistant. Ok, ça j'ai bien pigé. Il va me falloir sans doute un couteau. Ok, m'apporte un couteau. Mais elle est baisée, mais les gars, je vais me faire défoncer. Ok. On va combiner avec ça. Et on a quoi? Ça nous fait quoi? Une silhouette de fer. Ça nous fait les algues. On a les algues, les gars. Donc, on a les côtés de cheveux. Par contre, il nous manque ceci. Le réchaud, peut-être? Non, je doute. Ne dis pas n'importe quoi, Mister B-Boy! Très bien, on a les algues. Comment je peux faire? Oh, qu'est-ce que c'est? Encore une souris, putain, mais c'est pas vrai! En fait, d'accord. Donc la souris ou le rat, la mort, n'avait rien à voir. Ah! Avec l'énigme. 24 janvier! Marguerite est vraiment sur les nerfs ces derniers temps. J'arrive encore à la contrôler quand elle hurle. Mais quand elle reste silencieuse, c'est là qu'il faut vraiment se méfier. Lorsqu'elle est comme ça, il suffit d'un mot de travers pour qu'elle pète les plombs. La seule chose à faire, c'est de la boucler en attendant que ça se passe. D'accord, donc ne rien dire. 28 janvier. Tout ce que Marguerite a fait, c'est hausser un peu le ton. Mais il a fallu que cette idiote de Zoé sorte un couteau de derrière la commode et menace sa mère avec. Si ça se trouve... Elle en planque d'autres ailleurs. Je ferais bien de vérifier derrière chaque meuble de la maison au cas où. Qu'est-ce qui m'a foutu une fille pareille? C'est comme si elle n'appréciait pas d'être dans une famille qui l'aime. Ok, il y a un couteau planqué, les gars. Impeccable. Couteau planqué derrière un meuble. Ok, donc faut fouiller derrière les meubles. Alors, de toute façon, ça tombe bien parce que... En soi, je fouille toujours derrière les meubles. Mais apparemment, j'ai mal fouillé. Ok. Donc derrière un meuble. Je suppose que c'est pas derrière ce meuble là. Ça peut pas être derrière le lit, derrière là. Yes! Yes. Oh putain, on est bon. On va mettre la lanterne dedans. Ok, par contre, une fois qu'on a posé la lanterne. Eh oui, on va mettre la lanterne dedans. Mais on va ouvrir le lit. C'est bon ça. C'est bon ça les potes. Heureusement que j'ai vu dans la petite veste. Putain, faut vraiment tout plier. Ça se joue au pixel près. C'est terrible. Ok. Peut-être un peu grand, non? Attendez. Ok, c'est mieux comme ça. Ouais, peut-être un peu grand. C'est pas le serpent. Lui, il se met ici. Ok. On va poser donc ses cheveux au bordel là. Attendez, c'est quoi ces conneries? Attendez. Ok.
Bah, c'est comme ça, mais... Ok... Ah, d'accord, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, comment on peut faire ? Putain, c'est terrible. On a les cheveux. On a les cheveux. Qu'est-ce qui peut faire un serpent ? Ma tête, frère ! Ah, j'ai les cheveux longs. J'ai déconné, j'aurais pas lu. Ok. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qui ressemblera à ça ? Ils sont tellement vicieux que... Un réchaud, on l'a déjà dit, c'est mort. Ok ! On va jamais y arriver. On va jamais y arriver. Qu'est-ce que ça peut être ? J'en sais rien. J'essaye n'importe quoi. J'essaye n'importe quoi. Parce que là, je... Oh ! Le bout de la cuillère, ça fait une... Oh ! Attendez. Ah, le bout de la cuillère correspond ! Ah, ça fait un casque ! Ça fait un casque au serpent, frère ! Un casque de gladiateur, c'est énorme, on a découvert ! Alors, vous aviez pas prévu ça, les gars de Capcom, hein ? Ok. Et ça, c'est pareil ? Ah, c'est pareil ! Alors, attendez. Oh là là. Oh ! Oh, les attendez. Ok. J'ai jamais y arrivé. Yes! Ah putain, c'est chaud. C'est chaud à calibrer de ouf. C'est bon! Oh les génies! Oh les génies, les gars! Ok, on se casse! Ok, la clé, boum! Clancy, où es-tu? Quoi? Vite, vite, réfléchis. Ok. J'ai le cœur qui palpite. Je peux faire. Je récupère tout. Peut-être pas une bonne idée, hein. Vaut mieux peut-être rester dans le noir, je pense. Qu'est-ce que je peux faire, putain, c'est terrible. Ok. On va pas gâcher notre chance. Ok, on y va les mecs. De toute façon, je veux pas qu'on finisse. Ah, c'est dégueulasse. Non. Je suis mort ? What ? C'est quoi ce délire ? Faut tout refaire ? Amène-toi, connasse. J'ai quelque chose pour toi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les amis, j'ai tout refait. Hein, Marguerite est déjà dans la pièce d'à côté. Et je me suis dit, est-ce qu'on est obligé de mourir ? Parce que je suis mort littéralement comme une merde. RTC, c'est triste. Est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce qu'on peut vraiment s'échapper ? Je me dis forcément, sinon c'est un petit peu con le délire. Et oui, on peut s'échapper. On peut s'échapper. Je suis allé voir sur internet comment. La réponse était très très simple. Mais alors, faut un gros coup de bol pour y arriver du premier coup. Ou alors, aller voir sur internet au préalable. Parce que, honnêtement, il suffisait de sortir. Et forcément, vu que j'avais le couteau dans les mains. Parce que j'ai pas le couteau dans les mains tout à l'heure. Eh oui ! Et là, vu que j'avais le couteau dans les mains. Dans la trachée et on peut se casser par contre. Allez, 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 ça fait mal, espèce de petit con.
Ok. Et puis là, il suffit d'aller tout droit. Voilà, il suffisait d'aller tout droit. J'ai pas la lanterne, je vois strictement rien. Et on a réussi à s'échapper de la chambre. Donc voilà. Du premier coup, je n'ai point réussi la bonne cuisine de maman, bien évidemment. Je n'ai pas réussi du premier coup, étant donné que je ne savais pas qu'il fallait ce célèbre couteau dans les mains. C'était con. C'est, voilà, quelque chose de très con qui t'incitait à recommencer. Et ça a marché. J'ai bien aimé ce petit DLC, les gars. On se retrouve très très vite pour le DLC Cauchemar. Et ensuite, bien évidemment, on entamera 21 et filles. A bientôt tout le monde. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et n'oubliez pas aussi de me dire pour Zoé. Bisous tout le monde, ciao ciao.